Parce qu'il n'y aura pas seulement le péché que nous allons rendre.
pour rendre compte par rapport à la souveraineté. Et ce pourquoi Dieu aussi nous a destinés ici sur la terre. Parce que lui, il met pour la parole, on s'en fait de la mission à la montée. Voilà pourquoi ce parabole de talent le montre clairement. Dans la terre, il dit, il s'en croit, il y a un talent, les autres, ils s'en pour les lignes. Je sais que tout le monde a été béni et c'est lui qui n'était pas là. Matéa, ils en a YouTube, ils en a sa marche, c'est une occasion pour être destiné à eux et soigné là. Et on peut se dire béni à tous ceux qui n'étaient pas là, pouvaient rattraper par les réseaux sociaux, par les médias, ou vous rattraper les paradis qui étaient passés. Ce soir, le Saint-Esprit veut nous parler. Alors, vous pouvez nous parler ensemble également à la maison. Sur connaître le plan de Dieu pour sa vie. Oui, les paroles là, quand on va vous dire, vous savez pour la parole. Afin de saisir le temps et les saisir. Pour la prière, va vous saler la temps pour béminer. La destinée peut être définie comme pour la vie d'une personne. Destinée, donc, on se voit pour la bonne voyance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, dans eux, va être destiné, c'est seulement la vie d'une personne. Parce que dans votre personne, il y a, on sait que c'est même la destinée. C'est-à-dire là où tu dois être, là où tu dois arriver. Et si Gaïon, c'est Gaïon, comme à la bonne voyance. Alors, pour nous qui sommes là ce soir, quand nous parlons de préserver sa destinée, donc nous sommes en train de parler de la destinée. Autrement dit, nous sommes en train de parler de préserver sa vie. Nous sommes en train de parler de la bonne voie. La vie est attachée au plan. Bonjour, il y a un mot qui s'appelle la police. La vie est attachée à la vision que Dieu a. Bonjour, il y a un mot qui s'appelle la police. Mais à ce moment, il s'appelle la mission. Il y a l'une des choses très importantes. Quand nous entrons dans le royaume des cieux, c'est-à-dire quand tu crois en Jésus, tu es né de nouveau. L'une des choses importantes avant toute chose, c'est connaître le plan de Dieu pour ta vie. Quand tu connais le plan de Dieu pour ta vie, donc, vous voyez, il va vous dire, c'est un sable pour d'ailleurs. Tu ne sauras pas gaspiller ce plan. Pourquoi les qui s'est un pas maté? Parce que le plan des dieux et le temps marchent ensemble. Oui, des ma pour qui s'est un sable et la lisa m'a gagné la dame. Hier, nous avons vu comment Jésus a vécu 33 ans. L'homme de mon acquis de Jésus, soit bien qu'il m'a tout mis ça dans la lisa. Jésus connaissait le plan des dieux, le but qu'il est venu sur la terre. Mais Moutoua n'a pas la guine en 969 ans. Mais c'est lui qui a fait 969 ans. Il ne connaissait pas pourquoi il était sur la terre. Mais il m'a dit, c'est la ligne à cela qui l'a montré. Mais Jésus connaissait le plan des dieux pour sa vie. Car si Jésus est maquillé, ma promesse, elle s'appelle. Voilà pourquoi il ne voulait même pas perdre une seconde. Il a demandé à l'aimer collègue ça à l'amour. Il a commencé à 12 ans. À partir de 12 ans. Il était parmi les sages. Et il a dit à ses parents, pourquoi vous me cherchez? Je suis en train de s'occuper des affaires de mon père. Il connaissait le plan de Dieu. Voilà pourquoi il ne voyait pas son âge, le nombre de jours sur la terre. Il ne voulait même pas perdre un iota de ses parents. Bien aimé dans le Seigneur. L'une des choses très importantes pour la jeunesse aujourd'hui, c'est de connaître le plan des dieux pour nous. Si nous ne connaissons pas, nous allons vivre dans les tâtonnements. Nous allons vivre dans la monotonie. Allons dans Proverbe 29:18. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu lui qui conduit dans toute la vérité. Pendant que cette parole sort, tu auras des visions claires ce soir. Et où tu n'en sois à l'idée certaine à plan de Dieu. Aujourd'hui, tu vas retrouver le chemin par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Proverbe 29:18, version du second Osterwald, c'est mieux si quelqu'un a Osterwald. Proverbe 29:18, version du second, j'ai lu au nom de Jésus-Christ.
cancer, ok, il n'a pas éducation. Aujourd'hui, on dit boutique en ligne, ok. Boutique en ligne, ok. Tu es sans vision, tu pars sans frein. Vous avez une vision, vous avez une vision, vous avez une pour gagner du temps. Pour utiliser bien son temps. Pour qui est un don de Dieu. On doit savoir la vision que Dieu a. L'une des choses que cette jeunesse gaspille leur temps. Pour l'amour qu'il attend, moi, 10 heures. Tu te lèves à 10 heures. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. L'union sera au Benga et au Kossal. Tu es prêt à faire tout ce à quoi on va t'appeler. Pas au Benga, ma maçon, immeuble, mon Kossal, ok. On appelle le maçon pour une meuble, tu y vas. Ma bénédiction pour une cabine, au sein la cabine, au sein. On te donne l'argent pour ouvrir une cabine, tu y vas. Tu ne connais pas où tu vas. Oui, bien sûr, ok. Tu gaspilles ton temps peut-être devant la télé. Sur les examens, on est sur la télévision. Peut-être dans ma solo. Peut-être dans les causes et les parce que tu manques la vision. Oui, tout ça, vision. C'est manque de la vision des dieux. Au sein, on appelle ma maman ici à l'examen. Ça peut faire que Dieu puisse t'appeler. Et ça peut même apporter le retard. Il y a beaucoup de destinées même en Europe. Aujourd'hui, il se retrouve à 47 ans. Et toi, ça a 47 ans. Azo Salaki, infirmier. Il est infirmier. Azo Sukolabassal. Il est en train de faire la vie. Ça a apporté le retard parce qu'il y a manque de vision. Chacun de nous a un appel particulier. Il n'y a pas des handicaps dans le royaume des cieux. Et tu n'es pas ici sur la terre par un accident. Même si maman n'a pas tu n'es pas un accident. Dieu a un but précis. Et ce soir, je sais et je crois. Par l'aide du Saint-Esprit, tu vas découvrir clairement le but précis de Dieu pour ta destinée. Dans Romains 8, 28, 30, on peut voir les étapes bien définies. On dit, c'est lui. Il nous a prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Enfin, il nous a glorifiés. Après la décision d'accepter Jésus-Christ et de croire en lui. La plus importante des choses, c'est la découverte du plan de Dieu. Parce qu'il nous a prédestinés pour quelque part. Si nous allons dans Psaume 139, 16, je dirais que nous puissions voir. Jésus-Christ nous a prédestinés tous. Psaume 139, verset 16, version lui seront j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Et sur ton livre était inscrit le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existât. Les jours étaient bien définis. L'apôtre établi, il a parlé du temps. Donc chacun de nous a des jours bien définis. Pour Jésus, c'était 33 ans. Voilà pourquoi il a imparti ce monde. Je ne sais pas pour toi c'est combien. Mais il est dit avant que tu sois formé. Tes jours sont bien définis. Pour un but que Dieu t'a commandé ce soir. Jérémie 1:5, tous nous connaissons cette parole. Jérémie 1:5, nous
l'école. Quand il était encore criminel. Dans la prédestination, Jésus l'a prédestiné à être apôtre. Jésus, à ça la prédestination. Galates 1:15, version du second. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, verset 16, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne le consultais ni la chair ni le sang. Amen. Il a dit, avant, tu m'avais déjà consacré à annoncer la parole au nom juifs. Il nous appelle à faire les choses même que nous ne pouvons pas faire.
Parce que depuis mon enfance, je ne parlais à personne. Je peux me réveiller, je ne parle à personne. Je ne suis pas fâché, mais je ne parle à personne. Mais un jour, je me suis stoppé aussi. J'ai beaucoup tâtonné. Comme un de ce soir, tu tâtonnes beaucoup. Tu touches à ça, tu laisses, tu touches à ça, tu laisses. Comme le pote établi parlait hier du temps. Et comme il m'a parlé ce matin, que tu peux intervenir pendant 15 minutes. Je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je veux parler? Parce que nous sommes dans une saison où nous devons racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Je tâtonnais comme tout le monde. Je pensais que ce que je savais faire, la restauration, c'est ce que je dois faire. Nous avons vu ici le Saint-Esprit nous dit, Dieu nous appelle toujours papa, parce que nous avons des capacités naturelles. Le Saint-Esprit me dit, habille correctement la femme. Je me disais comment je vais habiller la femme. Et je suis allé dans 1 Timothée 2:9. C'est comme si on me parlait, je veux que la femme s'habille correctement, je dis. Mais moi, je suis allé, j'ai acheté tout ce qui devait faire la restauration. Et on m'appelle à quelque chose que je ne sais même pas. Voilà pourquoi j'ai gaspillé le temps. Mais si je connaissais après le salut, je connaissais le plan de Dieu pour moi. Le temps que j'ai dépensé. Aujourd'hui, je cherche à aller apprendre en Europe la culture. Mais j'ai eu l'opportunité d'aller en Europe en ce temps-là. Mais j'étais seulement comme un touriste. J'ai gaspillé mon temps. Mais aujourd'hui, je commence à regretter. Parce que je n'ai pas saisi le temps. Mais je sais que le Dieu de la miséricorde est là ce soir. Voilà pourquoi c'est très important pour nous en tant que jeunes. Après le salut, de découvrir clairement le plan de Dieu. Le jour que je me suis stoppé, je dis Seigneur, je lutte. Je veux savoir le but pour lequel tu m'as mis sur la terre. D'abord, bien, premièrement, il m'a montré clairement dans son royaume qu'est-ce que je peux faire. Il m'a donné Ésaïe 49, il a dit, tu es là à la prêche, à intercéder pour mes envoyés, pour le corps du Christ. Je témoigne ça parce qu'il y a quelqu'un ce soir qui ne va plus passer par des luttes. Voilà pourquoi ce témoignage vient. Mais quand j'ai eu cette tâche que Dieu m'a donnée, ta tâche, c'est ça. J'ai commencé à appliquer mon temps par rapport à ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il n'y a aucune personne ne peut me sortir de la vie. Je ne peux plus t'attendre. À l'époque, avec le sel que nous avions dans le royaume des cieux, tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Tu vois des choses. Il y a quelqu'un qui me dit non, non, Dieu ne m'a pas pris à ça. Mais si je ne connaissais pas le plan de Dieu pour moi, j'allais suivre les prophéties et j'allais perdre mon temps. Aujourd'hui, je
tiens, je par la grâce de Dieu. Je fais bien l'œuvre de Dieu par sa grâce, comme Aaron auprès de Moïse. Parce que je connais clairement la vision que Dieu a pour moi. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tu ne seras pas dévié par qui que ce soit. On a clairement le plan de Dieu pour ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans le royaume des cieux. Si nous voyons Jonas, nous tous nous connaissons. Il a été envoyé quelque part. Et il a été dévié quelque part. Mais il y a quelque chose que nous allons faire ce soir. Tu vas prier. Tu vas dire assez, c'est assez. Je crois au Dieu de la destinée. Ce soir, je ne veux plus perdre mon temps. Même si tu es dans quelque chose, avec humilité, il a dit qu'il fait grâce aux simples. Tu es dans quelque chose, devant le monde, on voit que tu réussis. Mais toi-même, tu sais que tu es allé là par toi-même. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te réponds. Je te répondrai. Je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Il a dit, la gloire des dieux se de cacher. Mais la gloire des rois, c'est d'aller sonner. Et toi et moi, nous sommes des rois et des notre gloire, c'est d'aller sonner. C'est que Dieu a caché pour nous. Il y a un homme dans la parole de Dieu, Joseph. Il a connu très tôt la découverte, le plan de Dieu pour ça. Voilà pourquoi il n'a même pas gaspillé son temps. Dans la maison de Potiphar. Pour lui, c'était, et pour les hommes, c'était saisir l'opportunité de sortir avec la femme de son maître. Mais pour lui, il savait que si je le fais, si je pêche contre Dieu, ma destinée sera suspendue. Il a saisi le temps. Malgré qu'il a laissé sa tunique, il est parti. Il y a des choses que tu dois laisser pour entrer dans ta destinée. Il y a des tunis que tu dois débarrasser ce soir pour entrer complètement. Jérémie 29, 13, c'est ce que nous allons faire ce soir. Il a dit, vous me chercherez. Vous me trouverez. Verset 13, version du second évangile au nom de Jésus. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a un moment, j'avais dit, Seigneur, je refuse des tatouages. Oui, je sais que je suis dans la vision que tu m'as donnée d'intercéder. Mais je crois à l'onction de Bessalé. Il était rempli du Saint-Esprit. Il multiplie il y a l'onction qui était descendue sur Bessalé ce soir. Cette onction est en train de chercher quelqu'un qui va faire de multifonctions dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, je sais que je suis ici sur la terre. Un but précis. Peu importe votre âge, ce qu'il vous faut, ce qui vous est arrivé dans le passé, ce n'est jamais trop tard. Nous avons vu Abraham. C'était pas trop tard. À 75 ans, il est entré, il est devenu père d'une multitude. Peu importe ton âge, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de retard. Croyez simplement.
kaka. Et vous avez une destinée. Et soyez déterminé dans votre cœur. À ne pas plaire à un autre. Pas dans votre vie sans savoir ce qu'il en est. Il a dit qu'il va restaurer les années où les sauterelles ont été faites. Alors, parce que tu étais en dehors de Dieu. Tu étais en dehors du plan de Dieu. Mais quand tu entres dans la vision que tu as pour toi, Dieu va remplacer les années où les sauterelles ont été faites. Après avoir connu le plan de Dieu pour utiliser bien ce temps que Dieu te donne, deuxième des choses, pour que ton environnement ne pousse pas ton temps. C'est dans 1 Timothée 4, 12. Nous allons rester là et l'apôtre établi de cette commission va venir. 1 Timothée 4, 12. Version du second. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. L'écart, s'il vous plaît. L'écart est le motoma côté à mon aïe, papa, pour vous aller dans le délégué. Ndakisa ya malamu epai ya bandimi na maloba pe na misala na yo. Zala moto ya bolingo, ya bandimi pe ya motema pembe. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alors pourquoi la jeunesse est méprisée? Aujourd'hui nous savons tous que la jeunesse est méprisée. On cherche des excuses. Ah, la fonction publique, ma vie, on a pas nicotique, on a pas l'intérêt. Ne veulent pas laisser la place. Dans nos activités. La misère, dans nos papa, on a pas nicotique, on a pas l'intérêt. Les aînés ne veulent pas laisser la place. Mais pourquoi la jeunesse est méprisée? Le Saint-Esprit veut nous parler ce soir. On lui ressent tout à son moment la mission. Quand tu n'es plus modèle dans ces choses, dans ces facteurs. Donc, aux années 70, ça dit, on a pas compris en mots. Quand tu deviens modèle dans ce facteur, donc, quand nous devenons de modèle dans ce facteur, ça efface le petit nombre des années sur terre. Les âgés, les aînés ne vont plus voir cet âge. Jésus, on n'a pas méprisé son âge. Car il a incarné ces choses. Si nous allons dans Luc 2, 45 à 52, nous voyons que c'était à la Pâque. Ils sont partis avec ses parents au temple. Le Saint-Esprit savait pourquoi cette réunion, ce séminaire, se doit se faire après la Pâque. Et pendant ce temps, dans le temple, Jésus est resté dans le temple. Et Jésus, il était assis avec des sages. Il écoutait et il interrogeait. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a mis dans le cœur des gens pour que le troisième jour, vous n'allez pas seulement écouter et interroger. Et il se fait après la Pâque. Pourquoi cette coïncidence? Il y a quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit qui va croître en sagesse, qui va croître en statue, qui va croître en foi, qui va croître devant les hommes. Même chose que Jésus-Christ. Selon les hommes, devenir majeur, c'est dans d'autres pays, c'est 16 ans. Dans d'autres pays, à 18 ans. Mais je vois ici dans la parole des hommes, c'est à 12 ans que quelqu'un devient majeur. Majeur, ça veut dire quelqu'un devient
parce qu'il était avec les hébreux, à 12 ans, on était étonnés. Parce qu'on t'a envoyé. Et on dit que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Parce qu'à 12 ans, ouais, là, il pouvait écouter et interroger les sages. Pour le royaume des cieux, pour nous dans le royaume des cieux, c'est à 12 ans qu'on devient majeur. Et là, 12 ans, il a dit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne peut pas se conformer au siècle présent. Tu dis que devenir majeur, c'est 16 ans, 18 ans. Ça, voilà pourquoi le Saint-Esprit a voulu que les enfants de l'école de dimanche participent. Pourquoi nous devons parler à un enfant de 12 ans comme s'il parlait à un enfant mineur? Parce que dans l'esprit, il n'y a pas d'âge. Tu dois parler, prêcher à ton enfant de 12 ans. Quand tu prêches à un homme de 45 ans, parce que c'est l'homme dans le royaume des cieux, c'est à 12 ans qu'on devient majeur. Voilà pourquoi, si demain tu as l'occasion, d'emmener tes enfants qui sont à partir de 12 ans jusqu'au-delà. Ne le prends pas comme un mineur. Vois la parole de Dieu dans ta maison. Ne vois pas le monde dans ta maison. Vois la parole de Dieu. Cet enfant de 12 ans, il est écrit au dernier temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, mon fille, mon fils, mon fils, mon je ne sais pas c'est quelle coïncidence. Évitez le si nous pouvons lire 45 et 40 à sa corde, Luc 2, 45 et 50. Luc 2, verset 45, version du second génie au nom de Jésus-Christ. Mais n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Yes. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait le plan des dieux pour sa vie. Alors ce soir, à propos de l'eau, tu vas prendre la position que tu veux. Mais rassure-toi que tu es en face de ton Seigneur. Au cas où tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être tu vas peut-être suivre cette prédication avec tes enfants. Le Saint-Esprit est en train de convaincre cet enfant. Et pour vous qui êtes là ce soir, pour entrer dans la vision, le but précis de Dieu, tu dois être justifié. Et pour être justifié, tu dois croire au nom Seigneur Jésus. C'est lui qui va te justifier. Alors que tout celui qui l'a prédestiné, il l'a appelé, il les a justifiés. Vous êtes là ce soir, le Saint-Esprit te donne l'opportunité. Parce qu'il veut que tu puisses racheter le temps. Hier, nous avons vu, c'est à toi, c'est ta responsabilité de racheter le temps. Et pour racheter le temps, tu dois entrer avec celui qui est en dehors du temps. Maintenant, le Saint-Esprit te donne l'opportunité. Pendant que nous voulons prier, tu es là ce soir. Tu n'as qu'à élever ta main. Parce qu'il a dit, tu dois le faire publiquement. Pour entrer dans ta destinée, tu dois croire. Ok, ta canaba réunion. Peut-être à Obanda na Ekoti. Peut-être à commencer l'Ekoti. Obanda Koyemba. Obanda Kotama Bible. Directement, tu te retrouves dans l'assemblée des grandes personnes. Mais tu ne te rappelles pas de cette étape. Moniteur na yo Ekoti, Matika na Kolobe na yo te. Ton moniteur n'est pas. Manda Kotika na Koyokate.
à la maison, vous allez vous l'obéissez et donc il y a pas Michel. Tu dis que c'est une question des grandes personnes. Le Saint-Esprit te donne l'opportunité. Au niveau de mon sens, la pression, c'est là. Donc on a beaucoup de choses à faire. Saisis cette opportunité. Saisis l'opportunité. Le Dieu qui change les saisons, il veut changer ton histoire. Mais il ne peut pas changer l'histoire des étrangers. Parce qu'il y a beaucoup dans la histoire, il y a ma famille. Il s'occupe de sa famille. Avant qu'il s'occupe de sa famille, après il va s'occuper des étrangers. Mais tu es étranger dans l'alliance. Il veut que tu puisses entrer en alliance avec lui. Tu vas déclarer ce parole avec lui. Seigneur Jésus-Christ, Lelo na yo ki mkongo na yo, na ye biyete, kozali mokeli na ngai, limbisa masumu na ngai, na makila oyo sopaki, petola ngai, Lelo. Fongoli mote marangai. Nantimi na mote marangai. Ke ose kwa kiponga na koma mwye kemi. Lelo na tatoli publiquement. Ke osa mo konti ya fina kai. Osa pe mo pekisi na kai. Nantimi okolo Yesu Christ. Na bota mi ya sika lelo. Na pekisa mi. Kombo na ke koma mi na puku ya mokwa. Na sui mokano yo. Ya ko sale la yo. Ya ko landa yo. Kino ko ya na kembo na yo. Merci kolo Yesu Christo. Na mkolu o sale ka lelo. Ya ko koma ndako oyo yo mofanda. Merci papa. O komi. Papa na ngaipe na komi mwana. Biso nyoso. Reçois position au lit. Tu vas prendre la position que tu veux. Toyoki awa na makomi. Nous avons écouté les saints. Moi je te réponds. Toyoki que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Tu es roi, je crois que chacun de nous nous tenions son à sa roi et sacrificateur dans notre Notre responsabilité c'est d'aller sonder les choses. Va dire Seigneur Jésus, je ne suis pas ici pour rien. Je suis venu rencontrer ma destinée. Fais-moi grâce ce soir. Par le mandat que Dieu lui a donné, il a formé ma bâtonnade miraculeuse. Il y aura un miracle dans ta destinée ce soir. Et clairement, et l'onction de Bessalel de ce soir. L'homme sans vision, c'est comme un camion sans frein. Et un camion sans frein, c'est-à-dire il y a des dangers devant toi. L'accident. Le salon de l'air, vous posez un accident et la vie. Un accident et la vie. Alobi invoque-moi, invoque-moi. Il est Jérémie. Il va dire à Jérémie. Invoque-moi. Et je te répondrai. In Jesus name. Amen.
préservé destiné là. On a combattu la destinée. Et ça obligatoire. C'est obligatoire. Voyez pas Tina et Isabelle Chérinassé. C'est découvrir et reconnaître quel est le plan de Dieu pour toi. Est-ce que tu es bégué et l'opinion sur la création, Isabelle Tina? Savons donc que chaque chose dans la création est là pour un but précis. Ah. Et l'eau bouillon sur la serre bouillon, et ça n'a rien. Toutes choses sous soleil a un but précis. Ça va être ça. Attendez-vous, Toyokani, attendez-vous, pas sainte maman, pas violée, pas violée, mais au bout de vie, et ça n'a pas accidenté. Aux anatines. Même si tu es résultat d'un viol, ce n'est pas un accident. Tu es là pour un but précis. Mais comment tu as dit ça, papa? Pourquoi le maman n'est-ce pas, papa? Il a dit. Jérémie est à nommé ton contre Jérémie est. Je ne m'en croyais si Jérémie. Écoutez ce qu'il a dit à Jérémie. Oh, Yamayat, le sang au langage. Ma prière. Et Yot Koyoka. Mais que tu as entendu. Oh, pour Waya Waya, les soucis la destinée. Tu ne m'as plus guéri, ça y est là, dans ta destinée. Sauf que Moutou a une vision. Quand on parle de vision, comment vision est là où vision. La vision. C'est comme on voit avec les yeux. Dès que vous avez un jour démontré à Kyoto, à Jason de la ici, à Kyoto, à Jason de la ici, je me rappelle, il y a un pasteur René. Papa René, la tangue et la cravate, la mémé et la cravate, il y a un jour, les conditions pour tout à l'heure, pour tout à l'heure, pour tout à l'heure, pour voir, il y a un jour, il y a un jour, à ta volumité, à tout titre, aussi au même ici. Ok, malgré ça, il y a quand même un pourcentage. À son programme pour commenter le Sika, $100 n'a yé, yé, et ça, il y a dessiné ça, yé, condition, à y'a quoi, soit, mais à son programme pour l'année, et l'autre est avec les missions à yo, et l'autre est avec les dessinés à yo, et Taïwan a, et toi, il y a un abouti à l'élo. Aussi longtemps que vous avez la vision, vous pouvez vous débattre par Waya Waya. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas de vision, tu vas errer ça et là, tu vas faire du touche à tout. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comme on a maintenant, on a l'aise. Je suis là à l'aise. Parce que ce que j'ai fait, on a dans ça, c'est mon office. Les animaux salades à la caille. Je suis tel un poisson dans l'eau. La solute. Je ne lutte pas. Je suis à l'aise. Alors ça n'a pas péché. Mais dès que l'on l'épice la main, au tchèye à ma belle. À son lugar, à son canapla, à son la place soi-même. Depuis ton l'ombolé. Si elle, en tout cas, que c'est, ce qui a son petit. A profit, Bakasi Sili, Mayeli Sili, Jose Sili, a profit, parce que Azana place n'a été jamais à destiné qui pour naïe. Parce qu'il n'est pas là où tu as destiné pour. La Sabelle aurait trouvé destiné à Zabé pour naïe. La Lobby aurait trouvé destiné à Zabé pour naïe. Yakon a dégagé ma masse, les citons à Rosamo, ton collègue ça. Il n'y a pas pour la moi, et la mis sous et la point de contact pour la vision interne spirituelle. On va la commande claire, destin à ça, mais pour la yo. Tu vois clair le destin de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. C'est venu à demander un exemple. J'ai aimé cet exemple. Il l'a envoyé pour les restaurations. Il a appris la restauration. Azana Nyonso. On a été ceux qui s'y met. Oyo na yebitango azwi ya biblio kwa na kisha sakaza parmi batuba sana ba matere yosu kifu mbuna restauration traiteur pe e vandi kom dekorasyon mse kompon magre ki a yekolia magre po yekolia kubi e lopite ki sanda pesi vision ya kambyo karam vision et l'opoye à Tangelia. C'est qu'elle n'a pas appris. Maman a aidé à saler le quoi. C'est sa mère qui l'a appris. Mais il y a salé le quoi. Tangi, mais a salé un peu plus à te. C'est quoi, yo? Ça va me faire ses visions. Moi, non, mais c'est quoi, yo? Et zo. Pas du bas, zo, ya. Toute catégorie des gens. Pas du bas, zo, ya.
Nazaté, Bazo, et nous allons non. Parce qu'elle a découvert, par révélation. Parce qu'elle a découvert. Mais c'est le dès que Osama a ta vision et à sa réponse, dès que tu es dans la vision de Dieu, tu seras à l'aise. Sauver la famille la libotale. On peut la sauver la génération. La tombe de Jésus Messie. Comment dit madame Toyo qui n'a pas dit alléluia, les élèves, et ça, pour tout y a mis. Ce que vous avez écouté ce soir, que soyez, c'est très
Nombreux gaspillent leur temps dans les choses qui ne constituent pas la vision de Dieu pour eux. Jérémie 1, verset 4, version d'Armée Génie au nom de Jésus-Christ. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, verset 5, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Avec précision, le bas précision. Le bas précision. Précision. Maintenant, supposez que Jérémie, à côté d'un fait de la terre, à côté charpentier, est-ce qu'ils ont plein les amis pour lui? Non. Attention, si pas beaucoup. Même s'ils sont réussis. Dès que maman a dit pour le bas. Dès que maman l'a dit. Attention, bonjour, mon ami, ils ont réussi. Même si tu vois comme un homme qui réussit. À cause de la laïcité côté. Il n'aura pas de choix. À cause de la complété. Il ne sera pas complet. Parce que. Poète. À sa libanda. Il est en dehors. Plan. Il y a sa vie, mon ami. Du plan de Dieu pour lui. Comment tu vas préserver ta destinée quand tu es hors de ta destinée? Mais il ne va pas te la destinée dans un soutien dans sa libanda. Est-ce que tu vas mon ami? Comment tu vas préserver ta destinée quand tu es déjà hors de ta destinée? Alléluia. Amen. Yango, génios. Il voyait pas pour sauver la tata zambé pour qu'il n'y ait. Voilà pourquoi tout ce bois. Ali Sangai. Montre-moi. La raison pour laquelle tu m'as amené sur terre. Jérémie, oui. Jérémie, avant la forme tout. Avant même qu'il ne soit formé. Yo, vous allez avouer. Tu seras un hôtel, tu seras terre. Aussi longtemps qu'il est dans le destin de Dieu, il sera complet, sécurisé, sécurisé. Il sera béni, il sera béni, il sera tel un poisson dans l'eau. Alléluia. Amen. Lindal, alléluia. Verset 4. Oui. Yahweh a le bilangai, oui. Libosote na sala yo na libumu ya mama na yo na yebaki yo na yebaki yo libosote okotama na ponaki yo osalela ngai osala profete na ngai na kati ya bikolo na kati ya bikolo ba ekolo pe bikolo so ngolo pe atie bikolo ya Jeremi eza mpo esporte bikolo ba ekolo mena yo peut-être pour toi c'est bon pour une version. Olobi, Oza, Bijoneya. Quand tu veux t'étendre à plusieurs nations. Bah, Bicolo. Oui, mais Oza, la problème, tu vas craquer. Amen. Tu vas craquer. Parce que Oza, la grâce de Bona, Bicolo. Parce que tu n'as pas la grâce de plusieurs nations. Grâce à la pression, Oza, Bona, Bicolo. Donc ces choses sont très importantes. Oui, par contre, pour préserver la destinée. Nous devons le savoir pour préserver la destinée. Ma base, c'est la détaillée de définition. Il y a destinée. Là, j'ai destiné à préserver la voie passée. Je pense que j'avais dit. Oyo, tout ça là qui. Kala, Bamboulaoui. Alors, il y a des la destination finale aux amis à destiner pour la vie et en tout. Prédestination. Amen. Alléluia. Amen. Bandeko. Bien aimé. Moutou na moutou zambé à Sala. Chacun commande Dieu à Christ. À Sali et à Tina. Dieu l'a créé pour la plus. Et à Tina Katina yo capacité. Il a investi des capacités. Oye Kosuga yo. Ils vont vous aider. Koko Kisatina. À accomplir à Salaki. Pour lesquels nous a créé. Mais dans le sang, mais par la prière, au côté de quoi, c'est comme qui nous crée. Je vais poser la question au Créateur. Il va vous révéler. Il va vous révéler. Parce que quand tu ne marches pas dans la vision, plan, projet à sa déconnaille, la vie sera bénie. Donc, aux autres temps, on a dit, Mandaya, on a dit, c'est un peu, bon, on est pour ça là, mais tout ici, que vous allez passer. La Jérémie 29. Dans Jérémie 29, 11, verset 11, 12, au moment de la lumière, j'ai connu les plans,
projet de bonheur. Plan de bonheur. Projet de bonheur. Pas de mal. Pour vous donner un avenir destiné. Mais alors, mais tout cela. Alors vous allez me invoquer. Vous me invoquerez. Vous me chercherez. Responsabilité personnelle. On a servi à aussi longtemps que nous sommes ici. En attendant le retour de Yeshua Masih, effectivement bien géré, la vie continue. La vie fait comment? Mon Dieu, mon Dieu, tant qu'on a voulu avoir le construit, on va construire la maison et tout. Il va nous faire un bal. On va se marier, donner un bal. Bâtir. Ok, depuis au bout d'un an, génération de bateau tonga net, c'est le coup. On dit que sa génération de bateau construction, il y a des gays, il y a des gays, ils ont une église, ils sont sous talibans partout. Nous avons dit que ça c'est tombeau qui l'a construction. Nous sommes là, Yeshua s'est arrivé, ils ont un signe qui a fait le temps. Je vais laisser ça des signes de la fin du temps. Alors, mais t'es un peu croisé, ma boucle, la vie continue, mais pour dire à Wana, esprit, Jésus revient bientôt. Mais au contraire, parce que ce que Dieu a annoncé, ils en ont dit. Chapitre 1, verset 5, une version anglaise facile. Merci. Alors, mais avant de te créer dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour un travail spécial. Pour un travail spécial. Tu vois, ok. Un travail spécial. C'est-à-dire, aux années, toi, tu as besoin de n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Il y a yo et Zaya. Donc, travail, ta tâche. Il y a Kai et Zaya Kai. La mienne, yeah, yo, yes, yeah, yo. La tienne, reste la tienne. Un travail spécial. Au salaire, yeah, yo, moko. Yeah, yo, moko. C'est-à-dire, il faut localiser le travail spécial. Yeah, yo. Il faut localiser quel est ton travail spécial. C'est ainsi que tu peux préserver ta destinée. Au moment où on peut combattre la destinée, yeah, yo. Aïe, les bâtons de l'aise, Azana Moussala, oui, mais Azosi Belaté, Azosala Kaka. Azana et Segoti, mais Azosala Kaka. Chapelle de la chapelle de la Allégance. Allégance. Alléluia. Amen.
savez pour un mouvement qu'on a besoin. Je prie pour quelqu'un ce soir. C'est la service à Ipakulami. Par ce service, donc si on prie. Tout est carré. Et quand il y a un réseau bloqué de vision, comment on a clair tes visions, jamais. Tu ne vois pas clair. Et le roi est disparaît. Mais ça gagne un meilleur saut au monnaie. Mais ça gagne un meilleur saut au monnaie. Nanini, c'est l'homme, Jérémie 11, à Jérémie 29, verset 12. Nanini, au sable, attends-toi, mais à l'homme, dans la bonne année, qui va voir. Mais il va se faire pas voir. Jérémie 29, verset 11, version d'armée, j'ai dit au nom de Jésus. Dis la 12, là. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, oui. Éternel. Pensez de paix et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance. Verset 12. Et vous m'invoquerez et vous irez et me supplierez et je vous écouterai. Vous m'invoquerez et vous irez, vous me supplierez. Et c'est fait quoi? Je vous écouterai. Et ça, quand et ça, responsabilité à Nani. Yo. C'est de ta responsabilité. Nani Azoyoka. Nani Azoyoka. Tango, comment il continue tout près de cet homme, il faut être très sensible. Amen. Très sensible. Très sensible. Tango, la sensibilité à papa, il faut être sensible. Quand je descends, papa, il faut que je pose la question, quel est ton plan pour moi? Aïe, il est clair, on a son même maillot, na école, na battu, oyo, oye, mi, monoko, na bangote. Mais tango, koko, ma kuna. Il m'a clairement dit, je t'ai conduit dans une nation dont tu ne connais pas la langue. Par la grâce de Dieu, c'est parole prophétique et comme ça, il dit, donc il dit, donc il dit, donc il dit, ça y a COVID-19, dès qu'il a dit, il m'a dit, à ta 3-4, il y a pas ce qu'il y a COVID-19, il m'a dit, 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 avant le retour de Jésus, tu seras annoncé dans mon kilioyo. Tu seras annoncé dans mon kilioyo. Vision à Zambé pour Nayo et pour annoncer une génération. La combo na Yesu Masia. La Ligue Zambé la dédié pour Mamiké. Il faut me invoquer. C'est la Zambé. Demande à Dieu. Attalisa yo. Même si tu n'es pas dans la vision de Dieu, il n'est pas encore tard. Tu peux prier. Zambé a pour restaurer une Katia plan. Dieu va te restaurer dans son plan pour toi. Écoute. Montre-moi, mais
projet na yopo na ngai. Ton projet. Ali gota mwa na kuta mla na mafuta na kacha sa. Baba ni kani mwa bato samila. Ba chepo na yopo ba liko samila. Samila kukula. E kai yoso. Que Dieu puisse enlever toutes les cailles. Na misu na yopo. Na kongo na Yesu Masih. Au nom de Jésus. Yes, 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 prions, prions, prions. Samela. Jérémie 33, verset 3, l'homme, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, évitez. Invoquez Zamela Minito. Invoque Dieu maintenant. Avoue la mission à Dieu. Qu'il puisse ouvrir tes yeux. Oh, évaluation cela. Que tu comprennes. Des choses cachées. Derrière ta destinée. Ta destinée là, yo. Quand on s'appelle. Commence à prier. Isobarana masharama. Je suis seulement victime de la grâce de Dieu. Nazaraka victime ya mbolo. Que le monde de la terre, Nazaraka victime ya grâce ya Zamé. Victime de la grâce. Yes. Asobala kakaba. Nazaraka victime parce que la tombe na kati ya vision ya Zamé pour la vie. Parce que je suis tombé en plein de la vision de Dieu. On a bien bouti ma yosu et ya. Mais je suis en sécurité. Malgré les défis, je suis en sécurité. Parce que je suis victime de la grâce. 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 Je suis victime de la grâce de Dieu. 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 Ma chekeri kapura ma chante, ma sakara bato robo kosi ke perekete, me kori kapara kato robo kosi ke perekete. Alléluia. Me sobori ala baya, me sobori ala baya takabata, ma losa ba te kere kete kete. Kungo la misuna na, kungo la misuna na, kungo la sosola, blonda yo kuna vina, yes. Yes. In Jesus' name. Si tu vois les plans de maison qui n'est pas encore bâti, mais tout, concernant la maison, jusqu'à la finition, c'est pas la peine de plan. On a photo, photo image. Je vois une image. Il y a dans la maison, peut-être va aussi sa photo là. On suit plan, on suit dans la bagonne, au tali, on a dit plan, la couleur. Vous voyez que ça concorde. Dès que vous êtes là, yo soya yo. D'où vous concernez, ça a décidé. Dieu l'a déjà décidé. Yamakata, yamakata. Yamakata, la Jérémie 33, verset 3. Vous allez la Jérémie. Invoque-moi. Mène la gaille. Et si tu réponds, je t'annoncerai des grandes choses. Parce qu'elle est minée. Des choses cachées. Ma bon papi. Que tu ne connais pas. Oh, yo, oh, yébi. Oh, et c'est que lui, oh, yéba. Oh, tu dois les connaître. Et oh, yébi. Mais tu les ignores. Et ça, toi, là, yo. Mais c'est que ton papi. Oh, yéba, des grands projets, voilà. Que tu sais, c'est quoi, projet. Et oh, yéba, on est guéri. Mais comment vas-tu les découvrir? N'a pas qu'à les négocier à sa vie. En allant au prédicateur. Fais-moi découvrir ton plan. T'as ici, Jérémie. Tu as fait découvrir à Jérémie. Quoi, quoi, moi. Qu'on a l'égalité. T'as ici, Moïse. Tu as montré à Moïse. 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 Va. Guéné. Amené. Mon peuple. Bah, hors d'Égypte. Bah, bim à l'Égypte. Ayo qui collait là-bas.
J'ai entendu leur plaie. Au père ici, Josué. Viens mon père, Josué. Amenez mon peuple d'ici. Je suis souvent victime de la grâce de Dieu. La femme victime, il y a beaucoup de quoi qu'il arrive, je suis en sécurité. Parce que je suis dans le plan de Dieu pour ma vie. Et si, dans l'eau, en sécurité. Et en sécurité. Au BBC, à l'exposé. Amen. Le sang mon amour, ma prière, il part pour la vie au yo. Et le mot là-bas, et caillosso. Et son salaké, au monde à clé de vie à yo. Au monde à clé de destin à jamais pour la yo. Et le mot à les autres prévisions, à laquelle il y a comme un peine à vous dire à l'eau. Alors, mais à laquelle il y a comme un peine à vous dire à l'eau. Il
les observe. Parce que déjà, à Yébin, ça me dit à l'Obédéke. Bah, on se répète.
dans ce pays, dans ce pays. Là, qui pasteur l'église. Il était pasteur de l'église. Basé à Zaman, ils ont calé. Je pense qu'il est là, il m'écoute. À ces mêmes 300 kits, l'église là. 300 chaises. La société, elle m'a pas donné la matière. Je l'ai fait enseigner ma parole. À sa l'église. Il avait une église. À son père. C'est le péché. Et il a eu. Et donc, ça a dit, on a titre pastoral. Sa vie ne faisait qu'il tournait en rond, par son titre pastoral. Mais pour l'eau, aïe, la circule. Mais les jours qu'il avait reçu, c'est une grâce. Non, ma tête, à la base, ma tête, oui, ma tête, c'est une loi. Aïe, on qu'il a beau. Il a écouté le message sur la vision. A craqué l'église. Il a fermé son église. Alors, il va dire, bien sûr, aïe, aïe, aïe. On a demandé à tous ses fidèles de venir ici. Ce qui vous rappelle et pourquoi détruire la mouloukounaï, l'eau a sauté 5 parcelles. Là, j'ai 5 parcelles. Et le poison qu'on a au sein de la tête qui pasteur. Ce qui ne pouvait pas faire ton pasteur. Et le poison qui est en moi a sauté à toutes les visions à mouloukounaï, a sauté qui a fait, comme on a fait. Même dans le temps où il y a confinement, il n'y a pas tout pas sur les lames, il y a Zoteka. Parfois, quand il y a des lobes à Zoteka, parfois, Zoteka, c'est des chinois, parfois, on va fabriquer des lobes, il y a des lobes, on va Zoteka. Il y a Zoteka. Parce que ça vous plaît, il y a des lobes. Parce que ça vous plaît, il y a des lobes. Quand il y a des lobes, on va Zoteka. Parce que c'est pas tout à l'heure. Thank you.
sera